Bonjour et bienvenue dans l'exposition Les Cristaux. Nous avons disposé une trentaine de mes œuvres au sein des collections historiques du musée de minéralogie, dont Cristallin, une sculpture en béton polysensoriel qui réagit en fonction de votre champ magnétique, si vous l'effleurez. La Mega Concreto est la première restante monumentale au monde réalisée à partir d'un bout de béton cratère. Je souhaitais souligner le côté cartographique de mes gaufrages réalisés à partir de béton ultra haute performance cratère. Ici, nous avons positionné une feuille de papier légèrement mouillée sur une plaque de 2 mètres de long en béton cratère ultra haute performance. Lorsqu'elle est passée sous presse, il y a plusieurs tonnes qui sont venues comprimer le papier sur le béton. Le corps à corps était terrible, le béton s'est mis à craquer, le papier s'est déchiré par endroits, du béton est même rentré dans le papier. Néanmoins, la feuille est restée entière. L'idée de jamais plus est une lettre d'amour que l'on voudrait oublier. Elle est constituée de trois parties. La première, une feuille juste posée. La deuxième, un peu froissée. Et la troisième, complètement chiffonnée. Cette sculpture en béton flexible a nécessité le travail de plusieurs chercheurs étrangers pendant de longs mois. Jamais plus, jamais plus. Tout peut plier. Est un gaufrage d'un pied carré en béton cratère dont les reliefs apparaissent et s'évanouissent grâce à un simple souffle d'air.